Salut les amis, c'est MM Simulator, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bang Bang Racing. Bon, ce n'est qu'une démo, mais c'est déjà ça, parce qu'en fait, en gros, voilà, j'ai un peu pas les moyens pour me l'acheter, donc je le fais en démo, c'est déjà une bonne chose. Voilà, donc voilà, en gros, c'est pas vraiment de la simulation par rapport à ce que je fais d'habitude. Ça change un peu, parce que c'est vrai que toujours faire les mêmes jeux, c'est un petit peu chiant. Donc cette vidéo va être très courte, un petit quart d'heure peut-être, 10 minutes, un quart d'heure, voilà. Donc voilà, et je joue à la manette Xbox 360, qui va très bien dessus. Donc c'est parti. Salut les amis, donc j'ai réglé le fond, normalement ça devrait être bon. Qu'est-ce que j'ai appuyé sur la touche, de toute façon j'ai pas beaucoup de choix, donc voilà, c'est... assez classique comme jeu, quand même. C'est pas possible. Donc voilà, on va se faire une petite course, vu qu'on n'a pas vraiment le choix. Donc on a une course libre, championnat et carrière. Mais vu que je suis sur une démo, il n'y a que la course libre qui est démo, non, qui est débloquée. Après, on a le choix maintenant de tout. Donc on a le choix, on peut faire une course standard, élimination ou une course contre la montre. Mais bon, moi je préfère les courses standard quand il y a du monde, tout ça. Des circuits, on en a, j'en ai deux de débloqués sur la démo. Et c'est tout. Ouais, il y en a que deux si je me trompe pas. Voilà. Il y a Euro Autodore Drone, Drome Autodrome, voilà. Je le connais par cœur, l'autre je le connais moins bien. C'est celui que je connais par cœur. Je sais plus. Bon, je vais en prendre un au hasard sur les deux, je vais voir celui-là. Et donc voilà, on va prendre. On ne peut pas choisir, vous n'utilisez pas. Donc je vais prendre 15 tours parce que comme ça moi ça fera une course. Une vidéo assez longue. Donc voilà, et après un IA en mode normal, déjà ce sera pas mal. Et donc voilà, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, c'est pas mal. Hein, je pense qu'on doit pouvoir jouer à 4 joueurs si on a plusieurs manettes, ou un volant, je sais pas. Donc voilà, c'est un jeu qui me paraît plutôt sympathique quand même. Donc on va aller se faire cette petite course. On a aussi le choix de voiture, là on en a que deux de déverrouillés. Donc voilà, on va prendre ça, voilà, il nous donne toutes les commandes. Freiner. Droite, gauche. Ok. Donc voilà, on a beaucoup de choses. Dans ce jeu, je le trouve super bien, mais... bon, après c'est vrai que bon, je connais le jeu, j'ai déjà joué, donc voilà, ce jeu et bien ça me fait un peu penser au jeu qu'on a sur les jeux, enfin, on fait un peu ça. Donc, voilà, assez basique quand même, mais assez bien fait sur les graphiques quand même. C'est pas, il n'y a pas de flou, il n'y a rien, donc je veux pas être je sais pas comment sont les trucs graphiques. Mais bon, là il bug un petit peu. Il bug un peu, je pense, par rapport à la capture. Il bug pas autant que ça. Vraiment, il a des petits super fluides, mais là. Ah, ok, je pense que c'est bon. Donc j'espère juste que le démo GTA, donc ce jeu c'est Bang Bang Racing, vous pouvez le trouver sur Steam pour faire le reste. Si j'ai vu un petit peu raté le point. Après, est-ce que je vous recommande le jeu? Ouais, par contre j'adore ce jeu. Et donc, si on monte,
c'est plutôt un jeu assez tranquille, on va dire, que je me l'entends déjà jouer à ce jeu. Ah non, c'est plus bête que c'est le jeu. Donc ce jeu est quand même assez simple. Vous voyez que dans le normal, il est pas très bien. Bon après, je pense que aussi, il y a un petit effet que le normal n'est pas trop cool. Parce que le jeu du processeur est très mal. Donc voilà, après, c'est pas mal. Donc voilà, après, c'est pas un niveau d'un grand jeu de style Mario Kart dans ce genre de temps, mais il ressemblera bien. Donc voilà, après. C'est pas un PC non plus portable à 2000€, super puissant et tout le patatras. En gros, si je voudrais un truc dans ce genre-là, il faudrait dépenser 2000€. Donc voilà, après, et donc j'ai pas de moyens de dépenser une somme pareille. Là, comme vous voyez, il doit être peut-être un petit peu moins parce que je dois être en... Je dois être un peu éloigné de mes concurrents. Donc peut-être pour ça qu'il bug un petit peu moins. Mais sinon, je vous jure, je crois que je joue sans filmer. Le jeu est très net, très fluide, très tout. Même en fait il est net, mais il n'est pas fluide. C'est le seul truc qui est un petit peu dommage.
Et franchement, c'est le petit truc qui manque là à ce jeu. Mais bon, on va dire que en filmant, il est plutôt bien. Il y en a qui sont pires. Les Sims, des fois, ça m'a fait un peu ça. Les Sims. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est beaucoup comme des Sims? Non, permis, ça passe, on va dire. Il y a 2-3 autres jeux aussi qui bug beaucoup comme je le filme, mais celui-là c'est un petit peu beaucoup. C'est la première fois que je filme avec, mais bien que j'ai filmé avec, un défi avec. Mais bon, après, c'est vrai qu'il est plutôt bien. Peut-être un petit peu cher par rapport au style de jeu que c'est, mais moi je le trouve plutôt bien. Sinon après, c'est plutôt un bon jeu. Et on va faire un petit tour, je pense. Et après, on va remettre un peu de micro dans les voitures. Donc voilà, donc là, on va parler un peu maintenant de ma chaîne. Parce que là, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu ça. C'est un peu le tout de mon histoire, en gros. Comment dire. Là, il va y avoir pas mal de lourds, en gros. Déjà, ça a déjà un peu commencé de lourds, mais sur ma chaîne, en gros. Ça va être assez sympathique à mon avis. Donc déjà, ça a déjà commencé avec l'épisode du camion mystère que vous aurez peut-être deviné ce que c'est déjà pour ceux qui l'ont déjà vu. Donc voilà. Après, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça sympathique de mettre. De mettre des trucs personnels, on va dire, dans le sur YouTube en quelque sorte, parce que c'est vrai que oui, ce que je trouve sur YouTube qui manque un peu, c'est des trucs qui sont personnalisés. Parce qu'on trouve souvent des modes qu'on trouve sur internet, des présentations de modes, en gros, qui sont, même si moi j'en ai fait, hein, je suis pas contre, mais ça manque un peu de personnalisation de temps en temps. Je dis pas que ça doit être fait tout le temps, mais par exemple, comme je le fais de temps en temps, surtout en ce moment, parce que là il y en a 4 épisodes comme ça qui vont arriver, et qui me tiennent beaucoup à cœur d'ailleurs. Des épisodes spéciaux comme vendredi d'ailleurs, vendredi qui va venir ou plus tard parce que la vidéo comment dire, en gros la vidéo qui apparaîtra juste après, une vidéo un peu spéciale pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que je fais et où je vais jouer. Je vous recommande de regarder, là il y aura un peu de nouveauté on va dire, parce que normalement dans l'histoire il y aura, dans la vidéo, il y aura certainement un petit peu d'histoire, je vais vous expliquer tout ce qu'il a du coup, les origines de la fête qui aura lieu aujourd'hui, donc Halloween. Je trouve ça assez sympathique parce que les gens, voilà, on ne connaît pas forcément, tout le monde ne connaît pas forcément les origines d'Halloween. Ben moi je ne le savais pas, donc j'ai regardé sur internet pour la vidéo. Donc voilà, et je trouve ça même très intéressant de savoir les origines d'une fête qui n'est même pas d'origine française. En fait, toutes les fêtes qu'il y a en France ou presque ne sont pas d'origine française. À part peut-être Noël et encore. Même Noël, c'est pas d'origine française. Techniquement parlant. Donc voilà, on va encore faire un petit tour et après on ira se préparer pour remettre de la noce.
En gros, ça fait un peu penser à un jeu de combat, mais non, c'est pas une simulation, c'est juste un petit jeu comme ça. Donc voilà. C'est vrai que ce jeu, surtout parce qu'en fait déjà il y a de la voiture dedans. C'est un peu pour ça que j'aime bien. Après, il y a un peu aussi du fait que... surtout du fait que j'adore les voitures déjà. En fait c'est que déjà voilà, les voitures c'est vraiment ce que j'aime. En fait, il n'y a pas de 2, il n'y a pas de 1, il n'y a rien du tout. C'est que le fait que j'aime des voitures, c'est pour ça que je fais des vidéos dans ce genre-là. Donc voilà, après c'est vrai que je trouve que la difficulté n'est pas non plus monstrueuse. Hein. Parce que même en normal, c'est pas difficile d'être premier. Comme vous le voyez, hein, je suis en normal, puis le premier tour, je suis premier. Donc, ça veut dire que c'est assez facile d'être premier. Mais c'est vrai que la noce, c'est un peu la base de jeu. Si t'as pas de noce, tu peux pas vraiment bien te gérer comme il faut. Et par contre les options, je crois qu'il n'y a que l'option jeu et la vidéo et tout le bazar. C'est un peu le petit truc qui est dommage. Donc voilà, après donc sur Halloween, je vais vous dire, là ce qu'on parle sur mes vidéos, c'est que je passe d'un thème à l'autre. C'est un peu bizarre mais parce que là en gros faut que je parle un peu de ce que je dois faire. Et je vous dis, si vous avez aimé ma dernière vidéo sur le camion mystère, en gros, même si maintenant c'est plus un mystère, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que si par exemple ça vous plairait que j'en fasse d'autres, parce que c'est vrai que c'est assez sympathique, je trouve déjà en plus, et par contre le seul hic, on va dire, c'est que ça demande énormément de travail. De faire un skin, c'est énormément de travail. C'est beaucoup c'est vrai que c'est beaucoup de boulot. Pour préparer le skin, pour préparer la vidéo, parce que en gros faut chercher un thème, faut trouver un truc qui vous trouvez un peu de blabla on va dire pour mettre sur la vidéo, enfin, pour parler un peu et dire voilà il y a ça dans cette vidéo et voilà tout le public quoi. En gros, parler beaucoup dans la vidéo et bien parler du thème sur lequel je fais ma vidéo. Donc aller chercher des informations sur mon thème, sur mon chat. Donc là, après Halloween, il va y avoir encore deux thèmes, un peu comme la vidéo le camion mystère. Et deux, trois autres petits trucs comme ça. La prise. Un peu qui se passe mal mais bon c'est pas grave. Donc voilà, c'est vrai que le camion mystère c'est bien, pas une idée de Jedi je pense, parce que j'aurais peut-être eu plus de vues si je mettais le nom du camion, mais du thème du camion. Mais après comme je peux vous dire, c'est un truc qui me tient vachement à cœur, c'est que des camions que des thèmes que j'adore et je fais pour vous un peu, mais aussi pour moi, parce que j'adore faire le vidéo. C'est vraiment sympathique et très euh,
c'est vraiment très là en fait. C'est vrai que jusqu'à la fin de l'année c'est vraiment Euro Truck qui va primer sur ma chaîne. Après il y aura peut-être un peu de Ferme Simulator 2015 qui sort demain. Non c'est pas demain mais quand je mettrai la vidéo ce sera demain. Donc la vidéo normalement si je ne prends pas je vais la mettre le 29 et Farming Simulator 2015 sort le 30 octobre. Donc peut-être essayer mi-novembre de faire une petite vidéo dessus ou deux, je sais pas, en dernier. On verra bien comment il est et on verra bien ce qui peut sortir sur mon ordi. Parce que c'est vraiment ça que je voulais faire préhendre en fait. Que mon ordi soit pas capable de le faire tourner. C'est vraiment la seule chose que j'appréhende sur Farming Simulator 2015, c'est que mon ordi ne puisse pas faire tourner le jeu. Et donc voilà. Sinon après c'est vrai que c'est un jeu que j'apprécie beaucoup plus. Ben beaucoup. Mais qui m'a un peu. Farming Simulator 2013 m'a un peu lassé, on va dire. Avec Euro Truck par contre c'est un petit peu plus sympathique parce que on peut faire vraiment des trucs assez personnels on va dire. Par exemple comme ce que je fais là jusqu'au mois de décembre. C'est assez sympathique. Enfin, presque hein, je crois qu'il y a une ou deux vidéos jusqu'au mois de décembre qui sera pas dans le même genre. Une ou deux, ouais. Non peut-être une parce qu'il y a avec la nouvelle mise à jour. Il y a l'une des vidéos, l'un des modes que je voulais vous présenter sur Euro Truck Simulator 2 qui passe plus, je sais pas pourquoi du tout, mais bon, en gros, voilà, s'il passe pas, je pourrais pas vous le montrer avec la nouvelle mise à jour qu'ils ont faite, c'est pas très sympa, donc on verra bien ce que je peux en tirer. Oh, ça bug à mort là. Pourquoi tu bug, hein, putain? Là ça a l'air d'aller plutôt bien, on verra bien où ça nous mène. Donc voilà, après j'espère que j'espère que ce jeu vous plaît. C'est peut-être pas forcément de la simulation, mais bon moi je l'aime bien. Je le trouve sympathique. Un peu bugué quand même parce que bon je suis en train de filmer et puis que j'ai pas un ordinateur de compète non plus hein. Après je ferai peut-être une petite vidéo un lundi pour l'un des lundis qui reste pour jusqu'à Noël à peu près pour vous présenter un peu mon matos. Mais il y a de chances que je ne les fasse pas parce que non. Après c'est à vous de me donner votre avis si vous voulez vraiment que je veux savoir avec quoi je tourne. C'est vraiment ça me ferait plaisir que vous me disiez mais si vous me demandez je le ferai. Mais j'en vends pas l'utilité vu le matos que j'ai. En gros j'ai rien qui vaille le coup quoi. Et donc voilà. Et donc ouais, c'est pas mal. Mais ils sont pas loin. Mais eux, ils utilisent toujours la nage aussi. Moi, je ne les utilise pas toujours. Ah, mais là, ça repasse. Comment 40. Donc voilà, après. Je sais pas quoi dire en fait, c'est que là je fais un peu cette vidéo à la Wall Again de manière parce que voilà pour que je tourne ici je sais pas comment dire mais j'ai pas ouais il faut que la tourne pour pouvoir la monter et la mettre sur le YouTube là-bas mais
Je sais pas comment le dire. Après, j'aimerais bien pouvoir avancer un peu. Donc là, on est déjà au 7ème tour, donc ça va assez vite. On est à peu près une trentaine de secondes pour faire un tour. Donc voilà, après n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, si vous avez des recommandations à faire qui soient quand même dans mes moyens et dans merde, ça répare la voiture. Voilà, en fait on a aussi un système de dégâts qui est plutôt pas mal contre le jeu. En gros c'est, comme vous voyez là en haut à gauche, il y a... il y a un peu plus de travail. Un système de dégâts et un système de notes, je veux dire, assez sympathique. Donc voilà. En vrai, je sais pas comment vous dire de plus. Oh putain, il me rattrape ici. Après moi je vous dis, ce jeu j'aime vraiment, c'est un jeu assez sympathique. Là je me concentre un peu parce que c'est vrai que j'ai un jeu qui m'a rattrapé. Donc voilà. Je sais pas ce que vous avez plus. Déjà en tout cas sur ce jeu il n'y a pas grand chose à dire. Puisque je le trouve assez sympathique. Très on peut jouer à plusieurs. Chose qui n'est pas plusieurs. Donc c'est plusieurs. C'est-à-dire plusieurs sur le même ordi. Chose qui est souvent souvent le cas sur PC, en tout cas sur console c'est un peu normal, mais sur PC pas comme ça, et je trouve ça assez sympathique. Donc voilà, un peu plus de gameplay. Là je pense qu'il y a une bonne partie que je vais accélérer déjà parce que... Bon, là je vais tout faire en... Enfin, tout ce qui manque là, je vais le faire en accéléré, donc à la fin. Ciao.
tout bien, c'est maintenant. C'est vrai que j'ai pas eu peut-être une super bonne idée de mettre un tour. Mais bon, je pensais que le jeu allait plus vite, il aurait été un peu plus vite. Il aurait été moins lourd, mais là, c'est vrai que sur 15 tours en 2 ans comme ça, c'est un peu lourd. Et même plus encore, parce que c'est vrai que c'est vraiment lourd, lourd. Mais bon, on est obligé de faire avec, donc j'ai essayé de passer un maximum de morceaux sous en vitesse rapide. Non, merde, c'est pas le dernier tour, c'est le bon dernier tour. Mais bon, c'est pas grave, on va pas faire le petit tour. On est normal, justement. Tout ce qui est normal, on va essayer de le faire. Et maintenant, si on met 30 secondes par
Donc voilà, après c'est un peu ça le but, mais... Donc voilà, sur le dernier tour, juste de gagner, donc on va pas rater. Donc, le jeu est quand même assez simple, mais je pense que c'est pas fait pour des gens de mal de jeu. Enfin, plutôt fait pour des gens de 5-8 ans, à peu près, un petit peu plus. Je pense que c'est à peu près la moyenne d'âge des gens qui devraient vraiment jouer avec. Moi voilà, je fais que tester si ça peut intéresser certains. Donc voilà, après ce jeu, moi je le trouve sympathique. Je n'ai pas tout vous dire non plus parce que je pense que ce serait un peu comme ce que j'ai fait avec Charlie, mais en gros ça me gagnerait très vite. Très très vite. Donc pour vous faire depuis que je l'ai, j'ai vu 35 minutes de tout dans un coup, à peu près. Donc voilà. Donc après... Donc là on est bientôt à la dernière ligne droite. Après la dernière ligne. Donc le dernier virage. Voilà, la dernière ligne droite est ici. Donc voilà, après donc ce tour c'est un petit peu long, certainement parce que j'étais en train de capturer et tout le reste, parce que c'est vrai que le fait de capturer doit prendre beaucoup sur mon ordinateur. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. Donc dans très peu de temps, on va reprendre les épisodes spéciaux dès vendredi qui viendra. Après, il y aura le début de la facecam. Déjà, donc franchement, je vous dis n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à faire ce que vous pouvez faire sur mes vidéos. N'hésitez pas à regarder ma page YouTube, ma page putain. Non, c'est pas la putain. C'est juste que j'ai du mal à parler un peu là. N'hésitez pas à regarder ma page Facebook qui sera dans les commentaires. Pas dans les commentaires, dans la description. Avec ma page Twitter et ma page Google+, parce que je la mettrai quand même si je vais juste voir 2-3 trucs dessus, pas forcément m'abonner. Donc voilà, on va finir ça vite fait. Donc n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez. Et à me dire si oui ou non. Ça vous plairait de... Mais n'hésitez pas à me donner... En gros, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez tout, en gros. Donc, sur Facebook, YouTube, Twitter. N'hésitez pas aussi à me suivre sur ces chaînes-là. Sur YouTube, en gros. N'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas. Donc, voilà. Là, on va se quitter sur cette petite présentation du mode... complet, on va dire. Donc c'était MM Simulator, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Certainement la prochaine ce sera sur Euro Truck, il y a de très grandes chances. Donc je vous dis à plus, ciao.